Ladies and gentlemen, we have uh, Senegal head coach Aliou Sise and man of the match Boulaye Dia with us. Uh, I would like to start with coach. Coach, coach congratulations. Uh, first victory. You're still in the contention. So please, can you give us your assessment of the game? Match difficile, a match complicated, a match. Très décisif, comme on, comme on le disait, dans la mesure où les deux équipes avaient perdu leur, leur, leur première rencontre. Je crois qu'en première période, on a, on a plutôt maîtrisé le match sur le plan technique. On a eu euh, une bonne circulation du ballon. On aurait pu marquer euh, davantage que, que deux buts, mais on a marqué un but. Et puis en deuxième période, très tôt, on a marqué ces deuxième buts-là. À 2-0, c'est vrai qu'on a été un petit peu. Déséquilibré parce que le Qatar a rajouté aussi des, des attaquants pour gagner. Ils ont joué la gagne et malheureusement on prend ce, ce but là. Donc euh, mais bon on savait aussi que sur les transitions on pouvait marquer ce troisième but là. On a pu le, le marquer mais surtout très satisfait les garçons notamment de la prestation de Mendy qui nous a maintenu longtemps dans ce match là. Uh, I would like to ask, uh, tout d'abord, merci à, à ceux qui ont, qui ont voté pour euh, ce, cette nomination. Bah bien, bien, parce que déjà, d'un point de vue de collectif, on a gagné. Ça nous tenait à cœur de, de gagner. Donc moi, personnellement, j'ai pu marquer mon premier but dans une Coupe du Monde. Voilà. Donc l'objectif est atteint. On est tous satisfaits. Et voilà. on a Plein de confiance pour le prochain match. Okay, we go here first. Yes, I'm coming to you. Bonjour coach uh, Bakary Sissé du Journal Record. Félicitations coach. Aujourd'hui nous avons vu uh, un allo CC, uh, qui a fait un coaching gagnant, uh, lançant dans le bain des jeunes uh, dont Eli euh, qui a délivré le peuple sénégalais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on va vers la redistribution des cartes sur le front de l'attaque, puisque vos éléments clés qui étaient là sont restés muets depuis le, les, deux, les deux premiers marches Merci beaucoup. Oui, les garçons qui sont, qui sont rentrés ont fait leur euh, travail. Je, je n'attendais pas moins que ça. Euh, on a constitué un groupe euh, homogène, un groupe euh, équilibré. Où n'importe qui peut avoir sa chance de jouer. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, le football est un est un sport collectif. Et aujourd'hui, on a gagné collectivement. Lundi, on avait perdu collectivement. Aujourd'hui, on a gagné parce que tout simplement les garçons qui ont commencé ont fait du bon boulot et puis d'autres garçons qui sont rentrés aussi ont continué le travail. Et c'est ce que j'attends de ce groupe-là. Je crois que les individualités, c'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, c'est le collectif qui a gagné et c'est ce qu'il faut retenir. It's not the yeah. Uh, hello, um, my name is Jim White from the Daily Telegraph in England. I'd like to ask a question in English to the coach. Um, you lost Sadio Mane at the start of the tournament. Um, didn't seem to affect you today. Can you explain what tactical changes you made to compensate for his absence? Il est difficile de, de, de remplacer un joueur du calibre de, de, de Sadio Mané, mais comme je le dis, une équipe de football aussi, c'est un collectif. Et aujourd'hui, euh, collectivement, on a su relever notre niveau, et c'est ce qui est intéressant, c'est ce que j'attends aussi des joueurs. Tout entraîneur aimerait que son équipe joue collectivement, se procurer des occasions, jouer avec beaucoup de passion, donc c'est ce que j'attends de mes garçons tous les jours. Mais Sadio reste Sadio quand même. Merci, félicitations, yes. uh, coach. Je uh, suis Drumacho, un freelancer. Je vais uh, 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 vous demander en anglais. Comment ça se fait de gagner un match de la Coupe du Monde en tant que joueur, mais maintenant en tant que sélectionneur également En 2018, on avait, 2018, on avait aussi gagné aussi notre premier <laughs> match euh, contre, contre la Pologne, donc ce sera le deuxième match. Mais, mais satisfait, mais ce n'est pas une fin en soi. Je crois que notre objectif, c'est d'abord de sortir de ces, ces poules-là. Nous savons que chaque match pour nous est une finale. Il nous faudra nous battre, comme nous l'avons fait aujourd'hui, comme nous l'avons fait à peu près. Malheureusement, on n'a pas été cher payé contre, le, contre, contre la Hollande. Mais comme je le dis, euh, gagner ce match-là, ça donne aussi un sens à notre travail. Ça, ça, ça motive les garçons à continuer aussi à, à travailler. Lundi dernier, on était tous frustrés. Aujourd'hui, je crois qu'on a, on a de la satisfaction. Donc, on va en profiter. Ça ne va pas durer longtemps parce que l'Équateur nous attend pour le prochain match. Mais nous sommes très contents de l'avoir gagné. Any, any, question for Dia first? Before we go to the coach again, you have Bonjour David Calfa de, de RFI. Boulaye, euh, bah, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus euh, ce que ça vous fait d'avoir marqué euh, ce but Parce que je crois qu'en plus c'est votre premier but lors, lors de la phase finale d'un grand tournoi. Et euh, l'équipe avait euh, quel état d'esprit euh, ces derniers jours euh, avant ce deuxième match Merci. On avait un état d'esprit tranquille, hein. une préparation d'un un match, pas de pression. On savait ce qu'on avait à faire pour, euh, pour le match de cet après-midi. Et voilà, on a, on a gagné. Personnellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail. Marquer un but dans une Coupe du Monde, surtout ma première participation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi. Parce qu'il y a encore 3-4 ans, j'étais encore amateur. Donc c'est vrai qu'au vu de mon parcours, je ne peux être que satisfait. Et merci à tout le monde, toute l'équipe. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Patrick Ridge from Stats Perform, a question in English for Boulaydea. Uh, Boulaydea, um, the coach said after the Netherlands game that he wanted his attack to step up. He wasn't impressed with how he finished chances against the Netherlands. Do you think, as an attacking unit, you all took that message on board and you all improved and showed that today? Ah, on, a ah, compris, on a compris son message. Il est clair qu'on a, a, qu a manqué, qu manqué d'efficacité contre, contre les Pays-Bas. Pays au vu de toutes les situations qu'on a pu avoir, c'est vrai qu'on aurait mérité de marquer au, au minimum un but. Mais ouais, il a il accentué ses propos durant la semaine d'entraînement pour préparer ce match. Efficacité, efficacité. Amener les ballons devant le but, c'est que comme ça qu'on marquera. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, euh, on est tous contents. Quasiment tous les attaquants qu'on ont ont pu marquer. Donc, euh, voilà. Ndédom Choufraï Radio Sénégal RTS. Coach, si uh, aujourd'hui, au-delà du résultat qui remet en salle le, le Sénégal dans la course à la qualification, uh, qu'est-ce -qu -qu qui, est, qu est qui pourra vous aider dans la prestation des garçons aujourd'hui pour le, match, le dernier match contre l'Équateur qui sera aussi important que le match contre le Qatar leur, euh, leur concentration, euh, à part le but qu'on prend, qui, qui, qui me gêne un peu, qu'on aurait, euh, qu aurait pu éviter, mais leur, leur concentration, leur, euh, leur détermination. Euh, lundi, ça a, été, ça a été très compliqué, mais je crois que les bonnes équipes, les grands joueurs, c'est ce qu'ils sont capables de se remobiliser et, et de repartir. En quatre jours, ça a été très court, mais je crois que j'ai senti un groupe vraiment remobilisé et déterminé aujourd'hui à faire quelque chose dans cette, dans cette Coupe du Monde. Et je crois qu'ils doivent continuer comme ça. L'Équateur, c'est un autre match. On va récupérer et remettre encore les mêmes ingrédients, rectifier aussi sur le plan tactique pour nous améliorer et essayer de sortir de cette poule-là. Uh, Bonjour, Raphaël Peltier, Agence France-Presse. Coach, on parlait beaucoup hier d'efficacité offensive. Est-ce que passer à deux euh, attaquants de devant, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui ouais, je dirais que ça nous a ça nous a C'est vrai que quand on veut marquer des buts, il faut il faut mettre un peu plus d'attaquants. Un garçon comme euh, comme Boulay, un garçon comme. Euh, comme Famara ont beaucoup impacté sur la défense du, du, du Qatar, c'est que ça a pu créer, si vous voulez, des espaces dans le milieu pour pouvoir faire des passes. Ça a pu créer des espaces aussi sur les côtés pour apporter les centres dans la surface de réparation. Comme je le disais, pour marquer des buts, il ne suffit pas de tourner autour du bloc. Il faut à un moment donné préparer et mettre dans les zones. Dans les zones décisives, le football, c'est deux zones, c'est défendre dans cette zone-là, dans la surface de réparation, et, et marquer du but dans l'autre surface de réparation. Et si on n'amène pas le ballon là-bas, c'est sûr et certain qu'on marquera pas. On a décidé de rapporter, d'amener un autre attaquant pour justement pouvoir euh, marquer ces buts-là. Et je suis très, très satisfait de ça. Yes. La première rencontre du CC à travers un meilleur renforcé défensivement. Euh, Il y a eu une tendance euh, à sur le résultat. Nous avons vu qu'aujourd'hui, la tendance a été renversée offensivement, ce qui a permis d'avoir plus de dynamisme par rapport, jeu, par rapport à l'équipe. Excusez-moi, ça parle sur mon oreille, j'entends pas votre question. Excusez-moi, uh, first we cannot hear your question and uh, if I understand the coach uh, doesn't want to answer. Maintenant ça va. Ah. Dès que lors de la première rencontre, nous avons vu que vous avez beaucoup plus euh, misé sur le bloc défensif au niveau du milieu, ce qui a beaucoup plus impacté sur le jeu. Aujourd'hui, nous avons constaté que cette tendance a été renversée offensivement, euh, traduisant ce dynamisme que nous avons vu avec les attaquants. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus motivé Est-ce que c'était la peur de perdre ou pas L'autre aspect est que nous avons vu aujourd'hui l'Iman Ndiaye beaucoup plus percutant. Euh, cette vivacité, cette vitesse d'exécution dans le jeu dont le Sénégal avait besoin, on l'a vu un peu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir beaucoup plus, à défaut de remplacer Sadio Mané, voir l'Iman prendre beaucoup plus de responsabilités euh, par rapport à l'apport offensif, le temps port défensif comme attaque euh, offensive que jouait Sadio Mané? Écoutez, moi je, 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 je le dis et je le répète, le football, c'est un jeu collectif. Le, jou, le football, c'est pas des, seulement des individualités. Le football, c'est pas seulement des joueurs. Eliman, ses qualités, euh, je les connais. Bambadia, je connais ses qualités. Tous ces garçons qui sont ici, je les, ai, je les, je les connais. C'est pour cela que je les ai fait venir dans cette équipe nationale du Sénégal. Mais je crois que c'est le collectif qui est, qui est important. Maintenant, la Hollande... Euh, est différent du Qatar, avec tout le respect que j'ai du, du Qatar, et on était aussi dos au mur, on voulait aussi gagner et marquer. Je crois que votre collègue a, a posé la même question. On a amené, on a décidé sur le plan tactique de jouer à 1-4-4-2 alors qu'on était euh, contre la Hollande, on avait joué à 4-3-3 ou en 4-5-1. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, euh, chaque entraîneur, si vous voulez, prépare ses matchs euh, par rapport aussi à l'adversaire et essayer de se caler sur ce que l'adversaire fait pour justement avoir le meilleur, euh, le meilleur résultat. Mais bon, vous savez, vous me connaissez, je pas beaucoup peur de grand-chose. We'll take last two questions, one here and one here in the front. Yes. Merci, coach euh, Abdoulaye Cham, journaliste à Sud-Cotillon. Félicitations pour cette victoire. Euh, sur le plan offensif, on a assisté à trois buts dont renard de surface qui est là, Goulaïdja. Euh, on but sur coup de pied arrêté, tête croisée et on a troisième but aussi une très belle combinaison. Euh, mais je reviens plutôt sur le but qu'on a encaissé. Est-ce qu'on vous a senti complètement furieux sur le banc C'est un but qu'on aurait dû éviter. C'est en centre en retrait. Et... Pathé 6 était plus ou moins en retard. Il a laissé donc finalement le... Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter dans, dans l'avenir ce but-là Et sur un autre aspect aussi, sur les cartons jaunes, parce qu'on se souviendra toujours de ce qui s'est passé en Russie, là on est à 5 cartons jaunes. Est-ce que vous pensez à tous ces aspects-là en perspective de cette finale, entre guillemets, devant opposer le Sénégal à l'Équateur, même si le match de, euh, vient de démarrer il y a quelques minutes Merci. Les cartons, déjà ces règles-là, est, 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 est enlevées. Euh, maintenant, c'est vrai que je ne vais pas demander à mes joueurs, de, 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 en rentrant sur le terrain, de ne pas s'engager. On a un football engagé. Euh, on peut discuter des, des cartons. Je ne pense pas que sur ce match-là, j'ai vu des tacles ou bien des gestes, mais vraiment mal placés, qui méritent un carton. Maintenant, c'est l'arbitre qui, 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 qui est le chef sur, dans le rectangle vert. Il en a décidé autrement, mais je crois que... Ça a été plutôt un match correct dans l'ensemble. Trois cartons, cinq cartons, ça ne vaut, vaut pas la peine. Here, last question. Uh, I ask uh, by English. Abdrahman uh, Chouik uh, from uh, Shark uh, TV. Shark TV. Uh, Monsieur uh, Aliou, uh, uh, pensez-vous uh, que le Sénégal ou d'autres équipes africaines peuvent remporter la Coupe du Monde Oui, vous avez bien vu cette, euh, cette Coupe du Monde-là. Euh, C'est une Coupe du Monde qui aura beaucoup de, beaucoup de surprises. Vous avez vu les, les, les résultats. Aujourd'hui, je crois que l'Iran a battu les pays de... Les pays de Galles. Donc, euh, tout, est, tout est possible dans cette, dans, cette, dans cette compétition. Vous avez bien vu que le Japon a battu euh, l'Allemagne. Et je peux vous donner d'autres surprises. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, toutes les équipes qui sont là aujourd'hui sont des équipes décomplexées. La Coupe du Monde d'aujourd'hui n'est pas la Coupe du Monde il y a 30 ans ou 35 ans où les gros, entre guillemets, venaient et passaient au sujet des, des soi-disant petits. Donc, euh, il y a 4 ans et tous les pays se préparent. Vraiment pour justement donner leurs meilleures prestations. Et on va vers une Coupe du Monde très compliquée, très difficile, où il y aura beaucoup de surprises, croyez-moi. Oui, un pays africain pour le gagner. Et j'espère que ce sera le Sénégal. So Merci beaucoup, coach. Uh, so Merci beaucoup, dear. Bonne chance pour next game. Thank you.